comment fonctionne la manifestation. Hello Medicine et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis Sabrina Lena, votre Love et Manifestation Coach et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, comment fonctionne la manifestation? C'est un sujet qui, comme vous vous doutez, sur cette chaîne est très important parce qu'on parle beaucoup de manifestation. Maintenant, aujourd'hui, la vidéo est un petit peu différente parce que je vais vous partager, je vais vous faire une lecture en fait d'un passage du livre Le jeu de la vie de Florence Scovelchin. Pour une fois, je le dis correctement, en même temps c'est plus facile, il y a son nom. Et ça va vous donner en fait une idée précise de comment ça se passe et ça me permettra de développer derrière. Alors, elle commence son paragraphe en disant, en citant la Bible, parce que Florence Scovelchin était très 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 croyante, elle est très croyante en Dieu. Et du coup, tout son travail, d'ailleurs, tout comme le travail de Neville, en fait, Neville Goddard, est basé sur les... sur la parole divine, sur les écrits saints en fait. Donc elle commence en disant « Le Christ a donné un merveilleux exemple de ceci. Il a dit à ses disciples « Ne dites-vous pas qu'il reste encore 4 mois avant la moisson ? Voici, je vous le dis, levez les yeux au ciel et regardez les champs qui déjà blanchissent, prêts pour la moisson. » Sa vision clairvoyante perçait à jour le monde matériel et il voyait la 4e dimension. Les choses comme elles sont vraiment, parfaites et complètes dans l'esprit divin. L'homme doit toujours garder en tête la vision de son but et demander la manifestation de ce qu'il a déjà reçu, que ce soit la bonne santé, l'amour, la richesse, l'expression de soi, le foyer ou les amis. Ces visions sont déjà abouties et parfaites. Elles sont enregistrées dans l'esprit divin, entre parenthèses, la supraconscience de l'homme, et doivent survenir à travers lui, non pas vers lui. Je trouve que c'est un très joli passage, et c'est pour ça que je voulais vous le partager. Qu'est-ce que ça signifie? En fait, sur cette chaîne, quand on parle de manifestation, je vous dis que la loi d'attraction, ce n'est pas « j'attire à moi ce que je veux », c'est « j'attire à moi ce que je suis ». Et comme je le dis, ce que vous arrivez à imaginer existe déjà, c'est comme une promesse. Si vous arrivez à fermer les yeux, à imaginer quelque chose, c'est une promesse et c'est qu'une question d'alignement derrière. À travers cet extrait, quand elle parle de la 4e dimension, elle parle vraiment c'est du monde des possibles, en fait du champ des possibles, et on accède au champ des possibles à travers notre imagination. Donc, c'est une question d'alignement. Quand vous voulez manifester quelque chose, vous ne voulez pas le mettre loin dans le futur, vous voulez venir le vivre et l'incarner là, maintenant, dans le présent, dans votre monde intérieur. C'est ça la 4e dimension, c'est votre monde intérieur, c'est ce champ des possibles où vous pouvez manifester tout ce que vous désirez. Si vous désirez une relation avec votre personne spécifique, vous devez la faire naître dans votre monde intérieur. Dans ce champ des possibles, en fait, vous devez choisir la potentialité où vous êtes en relation avec cette personne. Donc, vous devez aligner votre monde intérieur avec une version de vous, une version de cette personne, une version de votre relation qui est ce que vous désirez. Vous devez la faire vivre dans votre monde intérieur et vous focusser uniquement sur votre monde intérieur. Et derrière, il n'y a pas le choix que ça se manifeste en fait. C'est ce que ça veut dire quand c'est écrit de ne pas penser à la moisson qui est dans 4 mois, mais de le vivre, de le visualiser, de l'imaginer maintenant en fait, de le faire vivre dans son monde intérieur maintenant. C'est comme ça que ça fonctionne la manifestation, c'est arrêter de regarder l'extérieur, arrêter de regarder la 3D et vraiment venir dans son monde intérieur, dans la 4D si vous voulez, dans le champ des possibles si vous voulez, et vraiment embrasser, vraiment fusionner en fait, vraiment venir vous aligner, devenir un si vous voulez, avec la version de vous qui a déjà la réalité désirée. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que on arrête de s'énerver parce que on a fait une technique et qu'on n'a pas encore de message de votre personne spécifique, parce que je le vois beaucoup dans les commentaires. Il y a à la fois les personnes qui ont compris vraiment comment ça fonctionne et qui ont ramené l'énergie vers elle, on fait en fait de
de cette manifestation, non pas un travail, mais sont en passe d'en faire un lifestyle, c'est-à-dire elles prennent du temps pour elles, elles font ça parce que ça leur fait du bien. Et d'autres personnes qui vont faire les techniques une fois, et ça je l'ai vu dans les vidéos, c'est « j'ai fait ta méditation une fois, ça n'a pas marché ». Complètement tourné vers la 3D. En train d'affirmer en fait, ça ne fonctionne pas. En train d'affirmer, je ne réussis pas ce que j'entreprends. En train d'affirmer, mon monde extérieur, la réalité 3D, c'est ça qui compte. Et moi, je continue à réagir à ça au lieu de créer ce que je veux dans mon monde intérieur. Alors, je vais vous inviter vraiment, si vous voulez manifester votre personne spécifique, si vous voulez manifester du travail, peu importe ce que vous voulez manifester, à venir le créer dans votre monde intérieur, dans la 4D, à venir en fait choisir cette potentialité-là qui existe déjà et à vraiment vivre dans ce monde intérieur-là. Je vais vous donner un petit exemple, pour le coup, d'une conversation intérieure que vous pourriez avoir si, en étant vraiment dans cette énergie, où vous êtes en relation avec votre personne spécifique, d'avoir une conversation intérieure avec votre personne spécifique qui serait, par exemple, d'imaginer votre personne spécifique là, tout de suite, avec vous. Vous êtes là. et il pourrait vous dire à quel point il est heureux d'être en couple avec vous, à quel point c'est un bonheur d'être avec vous tous les jours, à quel point il adore se réveiller à vos côtés, en fait, tous les matins. Et vous viendrez lui répondre que mais vous aussi, vous adorez vous réveiller avec lui le matin, que vous aussi, vous adorez vous endormir dans ses bras. Et en faisant ce genre de petites choses, eh ben, vous êtes dans un monde intérieur qui dit, là, tout de suite, je suis alignée avec mon désir, je suis alignée avec ma réalité désirée, au lieu d'être en train de vous dire pourquoi ça fonctionne pas, et pourquoi il m'a pas répondu à mon dernier message, et pourquoi ça s'est passé comme ça la dernière fois qu'on s'est parlé, et de toute façon il m'a dit qu'il se remettrait jamais avec moi, parce que en plus ça il était tué, que quand il a dit que c'était fini, c'est fini, ça je le vois beaucoup dans les commentaires. Ma personne spécifique, elle m'a dit qu'elle revenait jamais sur sa décision. Vous êtes jamais revenu sur une décision que vous avez prise dans la vie, hein. Bien sûr. Donc, comment fonctionne la manifestation? Eh bien, tout simplement, c'est aligner son monde intérieur avec la réalité désirée dans la 3D et cesser de réagir à la 3D. Votre monde intérieur va se manifester, laissez-lui juste le temps et la place nécessaires. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a apporté de la valeur. Si c'est le cas, ben, je vous invite à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire également. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.